Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Club Porsche de l'Ouest, chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va vous présenter une voiture exceptionnelle qui fait rêver beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Une 991 GT3 Touring dans sa magnifique couleur craie. Donc Olivier, bah merci de nous recevoir dans ta belle voiture, hein, tout d'abord. Avec plaisir, David. Bon, forcément, on est dans une voiture qui est quand même ultra moderne, qui est exclusive. Parle-nous un peu de ton auto. Qu'est-ce qui t'a poussé à acheter cette voiture-là précisément? Écoute, je pense que je me suis fait avoir par le vendeur chez Porsche. Tu m'étonnes. À l'époque, j'y suis allé, j'avais en tête d'acheter une GTS. Hein. Elles étaient juste sorties peu de temps avant en atmosphérique. Et donc j'avais l'idée d'en acheter une en remplacement de mon Cayman GTS. Et en arrivant à la concession, j'apprends que ces voitures n'existent plus. Maintenant, c'est des versions qui sont toujours compressées. J'en ai essayé une et je suis un petit peu moins envoûté par le bruit. Je voulais vraiment de l'atmosphérique. J'en sortais avec le Cayman et c'est vraiment ce que je souhaite d'aller. Donc je pars faire mon petit essai. Et dans la foulée, le vendeur me dit, écoute, là j'ai une GT3. En PDK, rouge avec l'aileron, etc. Ah oui, est-ce que tu peux l'essayer? Et donc j'ai dit ouais, bien sûr, avec plaisir. Et je crois que je me suis fait avoir à ce moment-là. Donc c'est un bon vendeur, il t'a mis, comme on dit, il t'a mis le cul dans la voiture finalement. Ouais, exactement, en fait, il m'a dit, il m'a juste laissé conduire. Et effectivement, c'est assez stratosphérique ce moteur qui touche jusqu'à 9000 tours minute. Le son, l'ambiance dans la bagnole, c'était exactement ce que j'avais en tête. Et donc, sans engagement, j'ai signé un bon de réservation pour être en liste d'attente pour la prochaine GT3 que personne ne connaissait. Savoir quelle était sa motorisation, sa tronche, etc. Et finalement, quelques mois plus tard, j'ai eu la chance d'avoir le coup de téléphone me disant que j'étais bien confirmé sur liste d'attente et que j'étais en 6e position, je crois. Bah, c'est incroyable, c'est que tu es un peu obligé de te battre pour pouvoir l'acheter, quoi, finalement. Écoute, je crois que j'ai eu un petit peu de chance. J'étais client déjà avec le GTS, le Cayman, et j'ai eu la chance de pouvoir la sélectionner en touring, parce qu'à l'époque, quand elle est sortie, pendant 6 mois, elle est restée exclusivement disponible en PDK et avec l'aileron. Et donc c'est qu'au bout de 6 mois que l'option Touring Package est sortie. Et donc tous ceux qui étaient les premiers en liste d'attente sur les allocations de la GT3, finalement ont pas eu le choix. Et moi j'ai eu ce choix-là. Et j'en suis super content parce que ça correspond complètement à mon état d'esprit. Voiture un petit peu plus discrète, tout en étant complètement bestial quand tu la démarres et tu la conduis. Donc c'est vraiment parfait. Ouais, ben on a eu l'occasion de faire quelques accélérations tout à l'heure et ça avance finalement. Ouais, ça avance plutôt bien. Ça avance plutôt bien, c'est vrai que voilà, ça avance plutôt bien. La Porsche 991 GT3 Touring est la gardienne du temple Porsche. Une boîte mécanique parfaite, un flat 6 atmosphérique qui hurle son bonheur jusqu'à près de 9000 tours par minute et la ligne intemporelle de la 911 sans artifice aérodynamique. Qu'est-ce qui te ferait est-ce que tu irais vers une 992? Parce qu'il me semble qu'ils sortent aussi la GT3 en Touring en 992. Tirer ou pas forcément? Joker, j'ai essayé la 992 en différentes configurations. C'est une voiture qui est super efficace. Ils ont très très bien réussi leur truc comme d'habitude. Seulement, il manque peut-être l'émotion pour partir sur des motorisations type Carrera ou même GTS par rapport à l'environnement bruit et conduite à laquelle je suis habitué. La GT3, je l'ai essayé également. De grosses améliorations pour partir sur le 192, d'autant plus que je préfère encore le look de la 991, notamment à l'arrière, plus épuré, plus simple. La 992 à l'arrière, avec son bandeau lumineux et un petit peu, je trouve
trouve un petit peu chargé, mais après ça, c'est des. Oui, c'est une histoire de groupe. Après, ouais, exactement. C'est un peu ce qui a fait la réputation de la 992. Justement, il y en a pas mal qui aimaient bien justement le bandeau rouge derrière. Après, bon, voilà, effectivement, c'est. On aime ou on aime moins. Et, ouais, exactement. Après, c'est vraiment des goûts très personnels. Ouais, aujourd'hui, je vois rien qui me motiverait à changer ma voiture pour une 992. Rajoutons quand même qu'aujourd'hui, les malus sont importants, 40 000 euros cette année, 50 000 l'an prochain. Il n'y a pas un écart de puissance ou de performance suffisamment fort entre les deux générations pour le justifier. La seule chose peut-être qui pourrait me faire basculer, c'est s'il devait sortir une atmosphérique, boîte mécanique 6 comme la GT3 et des places à l'arrière, parce que finalement le plaisir c'est aussi de le partager. La GT3 c'est une voiture stricte de 2 places. Donc effectivement, si on veut profiter un petit peu en famille, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est d'avoir la chance un jour de voir sortir une nouvelle atmosphérique 4 places, boîte 6 dans la gamme, et pouvoir l'acheter, la commander, parce que le plaisir passe également par le partage avec sa femme, ses enfants, jusqu'à un certain âge. Et ça, tu le sais, ton grand est un petit peu coincé derrière. Mon grand, il est un peu coincé, moi. Et alors, ce qui est incroyable avec ton utilisation de cette voiture, parce que moi je te connais bien quand même, c'est qu'on pourrait penser que finalement sur une GT3, on la sort que de temps en temps pour faire du circuit. Alors, raconte-nous, toi, ton utilisation. Voilà, tu as déjà t'as 30 000 km, 31 compteur, bientôt, ouais, 31 bientôt, et tu l'as acheté il y a 4 ans, en 2018, avril 2018. Voilà, donc ça veut dire que tu roules quand même pas mal avec, sachant que c'est évidemment pas ton délit, comme on dit. Mais voilà, tu te fais des grosses virées, En fait, c'est ça, c'est plus qu'aller chercher le pain ou faire le petit roulage de 10-15 km le week-end. Je privilégie les sorties qui peuvent durer un week-end au minimum, voire pourquoi pas un road trip sur une semaine. Où là, je vais enchaîner, je vais faire 3-4 000 km, je vais partir, je vais traverser la France par les petites routes, je vais descendre jusqu'à Nice, je vais remonter par la route des Grandes Alpes et faire quelques cols. Je pense que c'est vraiment quintessence du roulage aujourd'hui sur cette voiture. Moi, je l'en trouve là. Dans nos régions ici, c'est un peu les plats pays. Dès que tu as un petit peu de géographie, ça rend la conduite toujours un petit peu plus fun. Donc voilà, effectivement, j'ai pas mal roulé. Et si on veut trouver des défauts sur cette auto, à part les 4 places qui sont un défaut sans être un défaut, parce que voilà, ça fait partie de la conception, mais c'est tout finalement. De mon point de vue aujourd'hui, c'est vraiment ça. J'aurais presque pu ou tu l'as commandé sans le GPS, je pense ça vraiment pas. La radio non plus, chaque fois que je monte avec toi, on n'écoute pas la musique. Jamais, je me suis absolument on écoute servi. La musique, elle est derrière. J'ai jamais programmé la radio, je l'ai jamais allumée. Quand elle s'allume, c'est ma femme qui tourne le bouton par erreur. donc normalement, je pense que c'est sympa. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment l'environnement, la voiture, son bruit, comme tu peux l'entendre, les rétro-engrenages. Mais c'est extrêmement envoûtant. Tu vois ce genre de bruit. C'est un kiff terrible. Moi, je vis pour ça dans ma bagnole. Il y en a d'autres, donc déjà tu parles presque un petit peu trop, je trouve. Aujourd'hui, c'est toi qui arrête pas. C'est vrai, je parle beaucoup. Non, franchement, j'ai pas de défaut à lui. C'est vraiment la voiture de mes rêves. Je la conduis tous les jours, enfin, tous les jours, je l'ai. Je la conduis. J'aimerais avoir des places à l'arrière, c'est la seule chose qui me manque. C'est terminé. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Il y a peut-être des bêtises que j'ai pu dire aussi. Donc, si vous avez des rectifications, certaines de vos expériences aussi, ça peut être intéressant. Mettez les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important puisqu'on va voir d'autres vidéos qui vont arriver bientôt. On va essayer, comme je vous le disais, d'aller voir d'autres membres avec d'autres véhicules, d'autres découvertes. Ça pourrait être sympa aussi. Mettez des pouces bleus, on en a besoin aussi. Et puis, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.